Coucou les amis, comment allez-vous? Nous allons bien, nous, j'espère que vous allez bien où vous êtes. Merci beaucoup d'être abonné à ma chaîne, merci aux nouvelles et aux anciennes abonnées. Ça me fait très plaisir de vous compter parmi nous. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais les couettes à ma petite fille. C'est très simple, mais en même temps, ça fait soigner quand on est pressé. Ça fait qu'on a fait un effort alors que hein, c'est vite fait. Et voilà, vous aurez besoin d'un peigne et un chouchou. Non, pas un chouchou, quatre chouchous. Pour réaliser ces couettes, il faudra vous armer de patience et beaucoup de jouets autour de vous. Comme vous pouvez le voir, vous allez le voir, elle bouge beaucoup. Mais je tiens quand même à faire ses cheveux pendant qu'elle est éveillée parce que j'aimerais bien qu'elle soit habituée. Et c'est aussi un moment de partage entre elle et moi, même si ça se voit pas, mais c'est notre moment à nous. Comme vous pouvez le voir, une fois la couette réalisée, je veille à desserrer parce que j'ai pas envie qu'elle ait des maux de tête ou que ça tire sa cuir chevelure. Celles qui se demandent qu'est-ce que je fais aux cheveux de ma fille avant cette étape, je vais mettre la vidéo sur les soins et comment laver les cheveux d'un bébé, etc. Je vais la mettre en haut à droite et sur la barre d'infos. Ensuite, j'ai fait le Locke Method qui est Liquid Oil and Cream. Donc le liquide, c'est l'eau. L'huile, j'ai utilisé de l'huile de coco. Et la crème, c'était du beurre de karité. Et voilà, voilà comment réaliser des couettes toutes mignonnes et sympas. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait très plaisir que vous preniez le temps de regarder ce tutoriel fait avec beaucoup d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez ces tutoriels sur la maternité ou les bébés, ou tout simplement si vous voulez me soutenir. Merci encore pour tous les amis. Allez, bisous, ciao ciao! Do you remember?